Mercedes achève le renouvellement de sa famille compacte avec le CLA et sa séduisante version Shooting Brake. Cette déclinaison très appréciée par les clients parvient à concilier la fonctionnalité d'un break et le design d'un coupé pour un prix presque raisonnable. Au sein de la gamme Mercedes, le CLA est la déclinaison coupé de la classe A et le Shooting Brake, la déclinaison break de ce même coupé. Mercedes a annoncé récemment la rationalisation de sa gamme. Et si le CLA sera bel et bien renouvelé, cette variante break est vraisemblablement la dernière. Voici donc potentiellement le dernier CLA Shooting Brake. Cet élégant break de chasse affiche la même longueur que le coupé, à savoir 4,68 m. Il en reprend également le design sur la partie avant, les motorisations, les technologies. En gros, la seule différence réside dans le dessin du pavillon arrière qui a pour but d'offrir davantage de volume. De plus, le surcoût pour passer du coupé au break est plutôt contenu puisqu'il est de 1200 euros. Le restylage apporté au CLA est dans la lignée de celui réalisé sur l'ensemble de la famille A. Autrement dit, très léger. Il faut quasiment sortir une loupe pour détecter les différences. Ainsi, les évolutions portent sur l'adoption d'un bouclier avant redessiné, d'une calandre parsemée d'étoiles et d'une signature lumineuse inédite. Notez que les projecteurs reçoivent un éclairage LED haute performance de série. À l'arrière, le graphisme des feux a été revu et un diffuseur a été redessiné. Sur le plan intérieur, les évolutions sont tout aussi modestes. L'agencement reste conforme à la norme établie par Mercedes, moderne et qualitatif. On note toutefois l'arrivée de la dernière version du système d'exploitation MBUX. Ici, les menus ont été revus, des raccourcis ont été ajoutés et son intelligence artificielle a été améliorée. Hé hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Raconte-moi une blague. Un pou et un moustique font la course. Qui est-ce qui gagne? Le pou, parce qu'il est toujours en tête. Mieux, cet écran devient entièrement tactile, ce qui a permis la suppression du pavé, auparavant situé sur la console centrale, désormais remplacé par un espace de rangement. Si le CLA Shooting Brake est indiscutablement agréable à l'œil, il corrige surtout les défauts du coupé, à commencer par l'accès et l'espace. Aux places arrière, deux adultes de grande taille voyageront dans un bon niveau de confort avec un peu plus de garde à la tête, comme on dit. En ce qui concerne maintenant le volume de coffre, le gain n'est pas vraiment significatif par rapport au coupé. On gagne une quarantaine de litres supplémentaires, mais surtout, on peut charger des objets un peu plus longs et volumineux. En tout, on a 485 litres. En ce qui concerne notre version d'essai hybride rechargeable, malheureusement, ce volume tombe à 440 litres en raison de l'arrivée des batteries. Et là, pour une petite famille, ça commence à devenir léger. Le Shooting Brake calque son offre de motorisation sur le coupé. Beaucoup de diesel, un peu d'essence et deux méchantes versions AMG. Toutes sont pénalisées par le malus écologique en France. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'hybride rechargeable qui est tout simplement la seule version au catalogue qui échappe au malus écologique en France. Il allie un 4 cylindres essence, un 1300 et un moteur électrique qui est un petit peu plus puissant pour une puissance cumulée de 218 chevaux. L'autonomie en tout électrique assurée par une batterie de 13,2 kWh est annoncée entre 67 et 75 km selon le cycle WLTP. Ces données sont loin d'être théoriques et il faut reconnaître que ce Shooting Brake fait preuve d'une belle efficience. Aujourd'hui, on a réalisé ce test en mode hybride. En gros, on a laissé la voiture prendre la main sur tout et la gestion est plutôt aboutie. On a parcouru 60 km en tout électrique, ce qui est vraiment proche des valeurs d'homologation. Et on a assisté à une consommation sur l'ensemble de notre parcours batterie pleine de 3,8 litres au 100 km. Ce qui veut dire que ça convient parfaitement pour un usage quotidien si vous rechargez évidemment les batteries. Une fois les batteries à plat, le système bascule en hybride simple. La consommation grimpe alors aux alentours des 7 litres. Il ne faut pas oublier que les batteries pèsent environ 200 kg. Bonne nouvelle, pour les amateurs de conduite, cette efficience ne s'effectue pas au détriment du plaisir de conduite. Les passages de rapport de la boîte automatique sont fluides et la puissance cumulée de 218 chevaux suffit amplement pour s'amuser. Attention en revanche à l'autonomie car le réservoir de carburant perd 10 litres de contenance. La direction consistante, l'amortissement plutôt ferme et les voies larges participent à une conduite engageante. Ce break de chasse montre une belle santé en conduite dynamique avec un comportement sain et prévenant lorsqu'il est malmené. Le CLA Shooting Brake corrige les principaux défauts du coupé en offrant davantage de confort aux passagers, un peu plus de volume de coffre sans sacrifier le design et surtout bien au contraire.
Le surcoût est de plus maîtrisé puisqu'il est de 1 200 € pour passer du coupé au break. Sur l'essence et le diesel, ça vaut plutôt le coup puisque le prix de départ du CLA Shooting Break est de 45 000 €. En revanche, en ce qui concerne l'hybride rechargeable, il faudra absolument vous astreindre à jouer le jeu de la recharge pour amortir un investissement qui lui est plutôt salé puisqu'il est de l'ordre de 56 000 €.